Les premières minutes sont toujours capitales. On va voir quel ton aura ce match. Alors évidemment, comme toujours, on attend du spectacle, des envolées, des duels, des buts. Mais l'important, évidemment, c'est la victoire. Va-t-il frapper? L'attaque n'a rien donné, car dévié en corner. Qui va le prendre dans la surface? Il décoche un tir. Pas mal, mais ça manque de précision. Voilà, maintenant on peut dire que le match est lancé. Quand ton route d'observation dure 2 secondes et que tu fais monter la mayonnaise d'entrée, on a tout de suite compris. Encore une occasion de centrer. Oui, la demi-volée. Ça passe d'un rien au-dessus. Et s'il tient à 90 minutes comme ça, je ne suis pas sûr si nous, on va pouvoir tenir le rythme. Ça peut donner quelque chose. Et c'est dégagé. Encore une belle occasion. Bien joué de la part du défenseur. Encore une occasion de centrer. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Pas moyen de passer cette fois. Bien joué ici. Il manque vraiment de coordination. Joe Bryan. Oliech. Attention les défenseurs, il faut revenir. Ils peuvent construire quelque chose. Il est dans la surface, face au gardien. Belle intervention du gardien sur ce tir à ras de terre. Bonne réaction de la défense. Ah, personne à la réception, la balle est dégagée en touche. Encore une belle occasion. Elle est nulle la relance. On attend toujours le premier but, ça va peut-être arriver. Superbe tête. La défense parvient tant bien que mal à écarter. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Il cherche un partenaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ballon repoussé de points, corner. Il passe sous le nez du gardien. Quel mauvais dégagement! Le tir est décoché! Quel manque de réussite! C'était tout près! Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps.
joli dédoublement de la part du défenseur. Cette passe peut surprendre la défense. Ce n'est pas cadré, il n'a pas ajusté sa frappe. On a senti que sur son appel, sur son appui, il n'était pas en équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'il a foiré sa frappe. Bien joué ici. Il cherche le couloir. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Cette fois, il visait vraiment les oiseaux. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Ils reprennent le ballon. Bien vu. Bien défendu. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. C'est une énorme occasion. Il a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Ballon aérien. Et il réussit une tête. Le gardien a bien vu que ça passait à gauche. Faute et coup franc, logique. Ils peuvent construire quelque chose. Mais quel coup de tête! Oh, il est en forme, les gardiens. C'est un ballon gagné. C'est bien d'avoir capté le ballon, mais il est en train de se mettre en difficulté. Il a osé. Arrêt du gardien. L'adversaire est un petit peu perdu, la position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Il peut peut-être centrer après ce débordement. Pas moyen de passer cette fois. Solide défense dans la surface. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal encore. Le couloir, c'est souvent la bonne solution.
Il l'éloigne de la tête. Jouez, jouez, dit l'arbitre, on ne discute pas. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Bien donné. Dégagement de la tête. Hors jeu, ça s'est joué à pas grand chose. Telle cohésion est assez impressionnante, ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Autre tête. La balle n'est pas passée. Quelle bourde de la défense, c'est une occasion en or. Nouvelle occasion de centrer. Très bonne maîtrise défensive. Et c'est dedans. Bien joué. Quel but merveilleux. Il est marqué à un moment important au cours de cette première période. Et c'est un pied gauche qu'il a, lui. C'est une main. Il fait ce qu'il veut avec. Quelle atmosphère fantastique. C'est toujours génial de voir un stade exploser. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Voilà qui va faire plaisir aux supporters. Ça, ça va donner de l'élan à l'équipe, ça va les pousser à essayer d'en marquer un autre. Et il y a encore du temps avant la pause. Ceci donne lieu à une bataille aérienne. Bon retournement de situation, il a le ballon. Pas de problème pour le gardien. Presque 30 minutes écoulées. Magnifique! Ballon dévissé, il doit encore s'appliquer. Oh, il est joli ce ballon. Une solide défense ici. Qu'est-ce que c'est dangereux. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Il a trouvé le décalage. Il doit trouver une solution. Ils vont peut-être... Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. Voilà un joli coup de tête. La frappe est décochée. Encore une occasion de centrer. Il peut encore avancer. Et c'est dégagé. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Partir en contre, c'est toujours payant.
dans la surface de réparation. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Chandelle. Bon dégagement. Il joue derrière la défense. Le tir est décoché. Il est hors jeu, c'est une évidence. Il a dévié. C'est dégagé. Ils peuvent construire quelque chose. La défense est prise à revers. C'est une frappe. C'était presque au fond des filets. C'est impossible, Marco, de la lame d'être fermée. C'est une très jolie passe. Oliech. Le danger est écarté. Ils ont coupé la trajectoire. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le prendre. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Encore une occasion de centrer. Ils font preuve de patience. Le ballon circule bien. Les défenseurs sont baladés. Un beau ballon frappé en puissance. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Le ballon est expédié en touche. Nouvelle occasion de centrer. Action dangereuse, il peut marquer. 5 minutes restent à jouer avant la pause et un but seulement sépare les deux équipes. Oliech. Le tir est vicieux mais bien capté par le gardien. Et Oliech. Il décoche une frappe. Cela manque de précision. Il n'a même pas la place pour passer une allumette. Allez, bien joué. Oliech, à quelques millimètres près, c'était cadré. Et ça aurait pu être un but fantastique. Avec cette tête plongeante, il aurait pu rentrer avec le ballon dans le but.
Oliech. Auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. C'est une belle occasion, sans réussite. C'était bien d'essayer une frappe comme ça, mais bon, c'est le genre de frappe qu'on ne marque pas tous les jours. Pour Oliech. Il décoche un tir directement dans les gants du portier. L'entraîneur commence à avoir peur. La zone de jeu est dangereuse. Il faut pouvoir écarter ce ballon. On est dans le temps additionnel. L'arbitre regarde sa montre. Il ne reste pas lourd à jouer. Il lui a piqué le ballon. Le ballon sur l'autre aile. Pour Oliech. C'est donc la fin de la première mi-temps. Ça fait toujours plus. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps alors que certains joueurs sont partis s'échauffer. Encore une occasion de centrer. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Dommage. Comment il a fait pour rater un tel but? Il avait fait la différence, il se trouve en face à face avec le gardien, il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Super contrôle du jeu. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Il manque vraiment de coordination. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Une très grande ouverture. Il n'a peur de rien. Une occasion de gâcher, c'est plutôt maladroit. C'est impossible de marquer de la langue trop fermée. Un ballon repassé en arrière. Peuvent construire quelque chose. Il fait une tête et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et il s'est jeté sur ce ballon comme un mort de faim. Il a fait une tête plongeante merveilleuse et le ballon est passé juste à côté du but. C'est imprécis, manque de concentration. On a senti que sur son appel, sur son appui, il n'était pas en équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'il a foiré sa frappe.
Oliech. Joli contrôle de l'autre côté. Nouvelle occasion de centrer. Peut-il marquer ? Aïe, 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 la défense prend l'eau. Le tir a été dévié. Il la voit au milieu de la surface. Nouveau corner. Le ballon est dans les airs. C'est trop trop chaud pour le gardien. Le joueur frappe. Long dégagement en avant. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. L'arbitre ne siffle pas, il faut encore jouer. C'est très loin du poteau droit. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le tir. Il en laissait décocher son tir, il en laissait un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Il a trouvé le décalage. C'est encore handicap, il faut s'appliquer. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. La passe a été interceptée. Ils vont effectuer cette touche. Une tête énergique. Va-t-il frapper ? Le goal a la situation en main. L'attaque ne donnera rien. Oliech. Oh, il est joli ce ballon. Encore une belle occasion. Quel coup! Joe Bryan. Il sort de son but et capte le ballon. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Oliech. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé, le ballon part dans tous les sens. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain, ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Selon notre homme de terrain, certains joueurs sont en train de s'échauffer. Il passe en retrait au gardien. Il veut marquer. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match. Le ballon est pour l'autre équipe. Minutes dans la seconde période.
Il gêne son adversaire et récupère la balle. Dégagé par le défenseur. Une occasion peut-être. Dégagement en touche, on ne fait pas dans la dentelle. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. C'est bien joué, en profondeur sur le côté. Il va marquer. C'est dans le cadre, un deuxième but. Oh, désormais, le match sera sans doute beaucoup plus facile. En venant du milieu, vous avez vu, il a fait un décalage devant. Aucun défenseur ne l'a pris au marquage. Il a pu se retrouver seul et marquer le but. C'est vraiment une bonne avance. Une grosse performance collective. Je dirais que leur avance maintenant est suffisante. Ils sont venus, ils ont fait leur boulot, ils l'ont bien fait, ils n'ont plus qu'à rentrer à la maison. Bon travail et bonne possession du ballon. C'est un ballon bien rendu. Encore une occasion de centrer. C'est trop chaud pour le gardien. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Il y a du but dans l'air. Perte du ballon. Attention. Bien servi en profondeur par son partenaire. Quelle frappe! Non, il a manqué la cible. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. C'est leur premier changement dans ce match. Pas étonnant qu'il soit remplacé. À mon avis, il était loin d'être en forme. Je ne pense pas qu'il soit très content de son match aujourd'hui. Bien défendu, le ballon est récupéré. Ils peuvent construire quelque chose. Ils s'infiltrent. La défense est solide. L'adversaire est un petit peu perdu. La position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Il va chercher l'espace dans le couloir. Nouvelle occasion de centrer. Il vise la cible. C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. Il passe sous le nez du gardien. L'arbitre siffle coup franc. Attention, c'est parti très vite. Encore une occasion de centrer. Superbe défense ici. Ouais, le pressing, ça paye. La touche est bien placée. L'entraîneur procède au deuxième changement. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Son remplacement me paraît normal. Ils peuvent construire quelque chose. Il est dans la surface.
La défense a récupéré le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Bonne interception, mais la frappe est dégagée en corner. Il envoie au milieu de la surface. Construire quelque chose. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. Et si la défense ne fait pas une pression plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Très bonne inspiration sur cette passe. C'est un mauvais dégagement. C'est une faute qui sera accordée. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Ça va peut-être rentrer. Ça passe au-dessus, bien trop au-dessus. Dommage, c'était un coup franc qui était bien tiré. On ne sait pas exactement où il a voulu la mettre. On n'a pas le droit de jouer comme ça à faute. C'est vraiment loin. Il décoche un tir. La parade du gardien est exceptionnelle. A bien vu que le ballon passait à droite. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Nouvelle occasion de centrer. Le compte à rebours continue. C'est une remise en jeu. Ce sera une remise en jeu. Il essaie d'y arriver. Frappe du gauche, mais il en fait plus pour inquiéter le gardien. Si nous avons constaté un effet sur le terrain. Une seule minute d'arrêt de jeu. L'arbitre a sifflé, c'est la fin de cette rencontre. Ils ont assuré l'essentiel, à savoir les 3 points de la victoire. Félicitations.